Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau numéro de Guitare Extrême. Ce mois-ci, j'ai la chance d'avoir avec moi des membres de mon groupe de blues, les Bean Shakers, les Haricots Secouants. Nous avons avec nous du coup Guillaume Feuillet, que vous avez pu entendre chanter et jouer de la guitare, et Fabrice Donard, que vous connaissez parce qu'il fait les démos pour Bassist Mag, qui est aussi contrebassiste. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment accompagner un chanteur de blues, en lui répondant à travers son chant. Et c'est également l'opportunité de vous parler d'un morceau qui s'appelle Reconsider Baby, qui est un morceau de Lowell Thurlson et qui a été interprété entre autres par le très grand Eric Clapton sur l'album From the Cradle. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ramené ma 335 et j'ai avec moi mon petit Princeton Fender et une petite pédale d'overdrive. Voilà. Donc l'idée en fait c'est d'accompagner le chanteur. Donc le morceau commence avec une petite intro de guitare, c'est un plan en sol, donc on est sur une pentatonique de blues autour du sol majeur qui fait comme ça. Alors l'idée, ce qui est très intéressant dans cette phrase, c'est qu'on passe vraiment par les points forts de l'accord qui sont la tierce et la septième, avec toujours le blues sous-jacent derrière, puisqu'il attaque au départ. Voilà. Alors, moi, je le joue au doigt, ce morceau. C'est vraiment un choix très personnel, c'est parce que je préfère le son que ça en dégage. Vous pouvez aussi le jouer au médiator. Ça, c'est à vous de voir.
Je vous propose d'à travers, on va profiter d'avoir Guillaume et Fabrice avec moi pour faire peut-être les plans en ralenti. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je commence le solo en fait avec un plan qui correspond plus ou moins à ce que joue Eric Clapton dans son album et qui correspond aussi à l'intro du morceau. On va le faire lentement, je vous propose. Ok, les gars ? Merci. Donc, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pour le début. Merci les gars. Ça c'est pour le début. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'il fait, il démarre en anacrouse, c'est-à-dire avant le premier temps de la première mesure, avec cette phrase. Là c'est super cool, sur le quatrième temps, il place la septième, donc qui est vraiment l'accord blues, hein, le sol 7. Quand on arrive sur Do, si tu peux nous jouer un yes, il fait un espèce de plan. Donc là on joue la septième de Do septième. Et il résout sur le sol 7. Donc ça c'est vraiment... En fait on passe par une petite triade qui est ici, qui est la triade de Sol, Si, Sol, Ré, et tout simplement, donc sur l'accord de Sol. Donc on va la refaire encore plus lentement. 1, 2, 3... Ça, c'est pour les quatre premières mesures du blues. Donc, on passe par un sol et un do. Je vais vous montrer un deuxième plan qui est assez sympa, que joue donc également Eric Clapton dans sa deuxième partie de solo, qui démarre en fait exactement au même endroit que le premier, c'est-à-dire sur le début du cycle du blues. Hein, et il fait comme ça. Donc, au ralenti avec les gars, ça va faire ça. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est les quatre premières mesures qu'on a jouées lentement. Je rajoute une petite phrase... que là pour le coup j'ai pas pris d'Eric Clapton, j'ai pris de Robin Ford. C'est Robin Ford qui fait très souvent ça. Si vous avez suivi, si vous suivez un peu le magazine, il y a quelques temps j'ai fait une présentation d'un morceau de Robin Ford sur Help the Poor. Et ça c'est une phrase que joue très souvent Robin Ford. En fait c'est une gamme diminuée qui permet de passer de la quatrième mesure à la cinquième mesure avec des notes qui vont venir un petit peu chatouiller les oreilles. Donc en fait on est sur... Au départ, on est sur une première mesure sol, deuxième mesure do, septième, et les deux mesures qui vont suivre vont être un sol. Ce qui est plutôt sympa, c'est sur votre quatrième mesure de faire entendre un mouvement chromatique pour retourner sur le do. Donc l'emploi de cette gamme diminuée, permet de retourner sur ce do puisque l'arrivée de la note va être la septième. Donc on va le faire, on va le refaire lentement, si ça vous, si vous voulez bien. et vous allez entendre du coup cette phrase au ralenti qui est une gamme diminuée, hein, je la joue une fois tout seul. Voilà, donc moi j'arrive sur le si bémol qui est donc la note de si on fait un do septième. Voilà. Et après je rattaque avec la tierce. Là en fait on reste sur Do. Et je rattaque en fait avec la tierce de Do. Et je fais en fait un mouvement comme ça. Voilà. Ça c'est un plan qui est tiré d'un guitariste qui s'appelle Matt Caulfield, que je vous invite à aller écouter. Qui fait très souvent sur le quatrième degré. Donc on a, voilà, yes, merci Guillaume, on a la tierce,
on a la quinte, la septième, la tonique, la neuvième. Voilà. En fait, on dessine cet accord-là, qui est également un Do7. Voilà, qui marche très bien donc avec le Do9 que Guillaume nous joue. Et au lieu de le jouer comme ça, on va venir créer une petite mélodie. Voilà. Donc je vous propose d'aller du début jusqu'à cette phrase-là, lentement. Du coup, 1, 2, 3... Donc là, vous entendez la résolution sur l'accord de sol à la fin du bend, qui est ici. Je fais un petit mouvement à la suite de ça sur le sol. Alors, est-ce que tu peux jouer un sol? Voilà. En fait, ce petit mouvement, c'est tout simplement la phrase assez classique. Mais je la place par la septième, c'est-à-dire... pour avoir ce son plus bluesy, et je fais l'approche du coup de cette fameuse septième qui est le Fa, hein, sur Sol, en faisant des micro-bends. Donc en fait je bend pour aller du Mi bémol au Fa, je résous sur le Ré, et je fais la même chose ici en allant chercher la blue note, et en fait après c'est exactement la même chose une octave en dessous. Donc si vous pouvez me faire un Sol, voilà. Donc ça fait... Voilà. Ce qui est très important en fait dans le blues, c'est d'essayer de trouver le moyen de rebondir sur le rythme de la meilleure façon pour pouvoir ponctuer toujours le chanteur, en l'occurrence Guillaume qui est ici. Voilà, donc cherchez peut-être pas la phrase la plus compliquée, mais celle qui aura le plus d'intention avec le plus de... le meilleur rebond sur le rythme. Voilà. Voilà pour conclure, je vais juste finir en disant que c'est le plus important, c'est de bien faire un contre-champ au chant, donc à Guillaume qui est là. Notamment, il y a une petite phrase qui revient souvent qui fait ça. Voilà, vous l'entendrez tout au long de la chanson. Elle sert vraiment à ponctuer le chant tout au long de la chanson. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite à aller écouter notre groupe qui s'appelle les Bean Shakers, ça s'appelle beanshakers.com. On a aussi une page Facebook à Bean Shakers. Et je vous invite aussi à aller écouter la version qu'on a enregistrée de Reconsider Baby sur notre SoundCloud si ça vous botte. Voilà, merci beaucoup et puis bah écoutez, travaillez bien.